Allez, salut tout le monde, c'est Mister Big Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart avec l'épisode 20 qui sera d'ailleurs, à mon avis, peut-être, sûrement, je ne sais pas, le dernier épisode, parce que je pense que l'aventure touche à sa fin, tout simplement. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on prend notre temps, c'est une aventure d'été. En plus, j'ouvre une boutique en parallèle, vous le savez maintenant. On est en live tous les soirs à 19h sur Twitch, si jamais je vous manque vraiment, n'hésitez pas à passer. Et d'ailleurs, la boutique Yamanote Shop ouvre samedi, incroyable, donc si vous êtes près de Montargis, et ben venez, voilà, venez passer un petit coucou, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on est parti, on va ouvrir cette porte, évidemment, et direction la suite de notre aventure avec des chauves-souris, mais très 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 bizarre, hein, pas comme les autres. Je devais... Oh, du Raritarium, ça mon frérot. Oh, ça tu sais que je prends 3 Raritarium. Wow, c'est ça l'anomalie? Oui, tout à fait. Cet endroit est... immense! Si tu réussis à y accéder, je pourrais m'y introduire et trouver la carte. Yeah. Gary, on se serait pas trompé de chemin? On est dans un tunnel géant qui sent aussi mauvais que les aisselles d'un monstre blague. Les aqueducs, vous devriez voir une traînée de bave menant aux catacombes. Elle est produite par... Ok, on visite un tout petit peu. Sur un malentendu, il y a peut-être un peu de Raritarium. N'oubliez pas que c'est une denrée très très rare. Il n'y a rien. Allez, on peut y aller. Le chemin, c'est tout droit. Bon, on a ça là. On va y aller doucement. On va y aller doucement. On va pas faire les fuzz. On va y aller un petit peu plus rapidement. On a quelque chose. C'est terminé. C'est terminé. C'est la fin du rêve. On a quelque chose ici. Je voulais y aller. Ok. Je suis dans le caca? Non, ça va, on est large. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hop, du Raritarium ici. On prend. Encore du Raritarium ici. On prend. Un petit 360. Oh, je suis un homme mort. Je suis un homme mort, je l'avais pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère tomber 30 fois mais ramasser tout le Raritarium nécessaire. Donc là, normalement, on aura plus besoin de le prendre parce qu'on l'a déjà, hein, vous l'aurez compris. Donc il y a juste à aller tout droit et c'est par ici. Là, on a rien. Là, on a notre porte. Toujours pas de Raritarium à vue. Ok. Ah, on pouvait, c'était un petit raccourci, ça. Passe là-dedans. Ok. Pas de Raritarium. Force le passage, Adèle. Force le passage. Mais je crois qu'il y avait du Raritarium, frérot, derrière là, dedans. Ouais. Je trouve qu'on va peut-être un peu vite, non? On va peut-être un peu vite en besogne. Nous avons réussi. Félicitations, mon cher. Et ben voilà. C'est les moines. Ah, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. C'est de l'acide. J'arrive les moines. Ne bougez pas. Ok. Bon bah j'arrive plus vite que prévu les moines. Ça va ou quoi? Bien les refs. Ok. Pas de problème. Très bien, mec. Extrêmement énervé. Attends, c'est moi où il a été censuré, genre après? Oh, c'est une blague, hein, c'est une bonne blague, j'aime bien. Oh, ouais, je suis mort. Ouais. Alors attendez, parce que je veux faire le ouf avec une arme qui n'est peut-être pas sans conséquence, n'est-ce pas? Ok, j'ai une vie ici, une vie à droite. Ouais, c'est bien de la censure après. C'est une très bonne blague, j'aime bien. J'ai pas beaucoup rigolé d'apparence, mais sachez que c'est une très bonne blague. Si cela nous évite d'avoir un nouveau affaire à ces créatures, alors tu peux compter sur mon aide. Ok, pourquoi pas. J'habite un
je vois que ça s'énerve. On est bon là. Je ne pourrais plus éviter le perfection sans frémir d'horreur. Allez. Très bien, très bien. C'est mérité, c'est mérité. Vache. Ouais, j'allais chercher. Oh putain, c'est parti! Oncle Jackie! Ok, let's go, on revient dans le game en claquette. Je déteste les squelettes. Pareil, je suis pas fan. Let's go? Let's go? Bah voilà! C'est pas si difficile que ça! On a eu très très chaud, on a eu très 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 chaud. Ok, merci, l'arme améliorée à 100%, hein. Merci, cher voyageur. Occupons-nous de l'anomalie maintenant. On doit filer, à plus les gars. Ratchet, Clank, on vient d'atterrir. Vous avez trouvé la carte? Je m'emparerai de la carte le plus vite possible. Tu vas y arriver, Boulon, on vous rejoint en bas. Nous n'avons pas vu l'Empereur en repartant. Je crains qu'il ne soit déjà sur place. Oh non. Et là, on a rien, là? On a rien. Bon, dernière faille. Après, sûrement le boss. Ok. Ne t'inquiète pas, Clan. Ce n'est pas ta première fois. Et voilà que tu te parles à toi-même comme Ratchet le fait en situation de stress. C'est du joli. Bon, peu importe. Contente-toi de procéder étape par étape, comme l'a dit Gary. Répare l'anomalie, empare-toi de la carte dimensionnelle. On a quoi là? C'est un truc pour freeze? Voilà de quoi rester terre à terre. Ok. Pas l'air bien bien dur pour l'instant. Pourquoi cette anomalie me rend-elle aussi nerveux? Parce que les dimensions menacent de s'effondrer totalement, éradiquant ainsi la vie telle que nous la connaissons. Ma foi, voilà une raison parfaitement valable d'être nerveux. Ah ouais, d'accord, ok. Et si je fais ça? Ça passe? Ça passe. Ok, on va aller récupérer, quand ils auront appuyé sur le bouton, ceci. Je sais qu'elles ne sont pas réelles. Mais j'ai envie de remercier mes possibilités de m'aider à comprendre la dimensionnalité. Merci beaucoup. Les Clank. Ça, par contre. Il faut qu'on casse. On est bon? Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Allez, ça. C'est fait. Premier niveau seulement, il y en a sûrement 3 ou 4 qui vont s'enchaîner. Allez, let's go. Et là, il n'y a plus aucun sage pour m'accueillir et ça, ça fait mal. Je suis moi et moi seul, dévoué entièrement à moi-même. Allez. Bonsoir. Bon. Cette connaissance, j'ai l'impression que je suis à deux doigts de comprendre tout ce qui se passe et de savoir ce qu'il faut faire pour sauver les dimensions. Ok. J'ai acquis des connaissances là, hein, particulières. Ok, ça j'ai compris. Donc faut que je fasse passer les bordels ici. Sinon je ne pourrais pas y aller. Alors. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Dissimuler la carte dimensionnelle dans une anomalie, c'était une idée ingénieuse. Bien joué, Gary. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça c'est le saut. Très très bien. Qu'est-ce que je peux faire? On a des petits boutons ici. Celui-là il mène à quoi? Non. Ok, là ils sont bloqués. Si je fais ça, on devrait le faire. Oh mais attendez. Mort.
suis mort. Oh, je suis pas mort, je suis pas mort. Tout va bien, les gars. Alors, ça, c'est plutôt cocasse. J'ai un truc de saut. Yes. Non, même pas, même pas. Bah oui, c'est trop court. Faut le mettre juste ici. D'accord, donc faut aller loin pour avancer au début. Ok. Ah, let's go. Ok, j'ai pigé. Enfin, j'ai pigé. C'était relatif à ce niveau-là, mais... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. On avance. Et ensuite, je fais quoi? Ah, il y a ça à récupérer, du coup. On va récupérer ceci. C'est quoi ça déjà? Sphère de vitesse. Ah, grâce à la vitesse. Ok. Grâce à la vitesse, ça peut swinguer très très vite, je crois. Parce qu'ensuite, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on les emmène à gauche. Ok. On a une nouvelle sphère. Voilà un bon une moyen sphère de poids. Alors ça. Comment on peut faire comme ça peut-être? Le poids accumulé à la force. Non, ça marche pas. C'est intelligent. Tout ce que je fais de toute façon est intelligent. Il n'y a que la vitesse. Si je fais la vitesse plus le poids. Let's go. Let's go. Je suis littéralement ce qu'on appelle une machine. Si l'empereur parvient à s'emparer de la carte dimensionnelle, il pourra répandre la, la légèreté. Donc la légèreté, on l'emmène ici. L'univers tout entier. L'autre légèreté, on l'emmène où? Ah, ça les fait propulser suffisamment loin. Ok. Alors attendez. En fait, cet enchaînement, je crois, a créé quelque chose d'incroyable. D'accord. Mais... Il va falloir une sphère de saut, en fait. Et la sphère de saut, c'est la sphère de légèreté. Par conséquent... Ça, je pense qu'il faut le mettre là-haut. Ça, c'est pour faire tourner là-haut, donc faut pas. Je sais pas, quelque chose me dit que c'est bien là. Ça, c'est quoi la sphère de poids? On a un... peut-être. Attendez. Oh putain, on y est presque. On y est vraiment presque. Ça se joue à un poil de cul, si je puis me permettre. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Ça, c'est quoi ça déjà? La sphère de poids. Là, je vous avoue que le doute m'habite de ouf. Ah putain. Ah putain. Tout simplement. Aïe aïe aïe, c'était pas facile. C'était... Oh non. Oh, ça s'arrêtera donc jamais. Voilà. C'est bon. Bon, c'était pas facile. Eh, il était assez... il était coriace celui-ci, hein. Il était coriace de ouf en vrai, hein. Il était coriace. Il y en a qui ont pu avoir des problèmes. Oh non. Si, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Vache. Si celui d'après, il est encore plus chaud, on est dans la sauce. Ça va le faire, on va s'en sortir comme d'habitude, mais enfin...
Ok. Et il n'y avait pas de sphère d'électricité, donc là je pense qu'on va avoir le Umbo Combo. On va avoir. Ouais, voilà. On va littéralement la tout clé avoir. Se trouve peut-être ici, l'énigme finale. Je sens la connaissance me chatouiller les circuits. Ok, l'électricité, c'est fait. Besoin. Si je fais ça. Non. Ok, hop, on passe dans le circuit. C'est là que Ratchet se motiverait à prendre une grande inspiration. Uh-huh. Je dois garder à l'esprit que je suis arrivé jusqu'ici et que j'ai statistiquement autant de chances de réussir encore. Oh non. Mince. Ok. Oh non, je suis un connard. Ah bah voilà. Alors attendez, je croyais que j'avais fait bugger le jeu. Ok, ça on met ça là, on s'en fout. J'ai accompli beaucoup de choses depuis que je suis dans cette dimension. Et je vais continuer. Cette anomalie ne m'arrêtera certainement pas. J'essaye de comprendre. Ok. De toute évidence, il faut que je continue sans les petits êtres. Comment on peut faire? On va faire ça. On va faire ceci. Je vais aller chercher tout ce que j'ai besoin de chercher. Bah nickel. Nickel, ça mène à R. Oh là 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 là. Compliqué les gars. Tranquille. Bon, laissez-moi réfléchir. On a une sphère de légèreté qui va permettre de bump. On a une sphère de poids. On a une sphère électrique. Je vais prendre la sphère électrique. On va la poser ici déjà. Je vais prendre la sphère de poids. Mmh. Comment aller là-haut là? Il y a des trucs où je comprends pas les rapides. Oh putain. Qu'est-ce que je pense? Attendez. Qu'est-ce que je pense ou pas? Non? Réappuyer là pour que ça. Ouais, voilà. Oh lolo lolo lolo. Bon, ok. Oh putain, c'était un bug que j'avais. Des barres. Bah ça, c'est très chiant, en fait. Dans ces cas-là... Dans ces cas-là... Ok, faut que ça soit les... Ah, c'est un bug, c'est terrible. En fait, le truc qui était toujours considéré comme appuyé. C'est pour ça que je me dis, c'est pas très cohérent tout ça. Hein. Et là, regardez, ils vont me l'activer. Ensuite, on le retire, ça va nous permettre d'aller en haut. Je trouvais le truc un peu chelou. Je vais pas mytho, voilà, je vous le dis, ça reste entre vous et moi. Je trouvais le truc un peu chelou. Voilà, bon, là ça va être plus simple. Eh hey, mais en fait il y a que les bugs qui peuvent m'arrêter. Je vais le faire. Ok, ok. La vache. Ah ouais. Ok, je comprends pas ce qui se passe là-haut. On va y aller, on va essayer. Voilà.
Ok, une autre sphère de légèreté. Nous serons à nouveau amenés à affronter l'empereur. Mais cette fois, il ne nous prendra pas par surprise. Ok, ok, ok. Il y a une sphère de poids. Il faut que je la comprenne. Il faut que je comprenne cette sphère de poids. Sphère de vitesse, si on la retire, ça fait quoi? D'accord. Ok. Ah, c'est ça qui les dévie à gauche. Mais alors, si ça les dévie à gauche... J'ai pige. Ok. Sphère de poids, vitesse... On va la mettre ici. On est bon, là, non? Voilà. Bah, voilà. C'est beau, ça! Voilà. Bon! Je sais comment arrêter le cataclysme. Je sais comment arrêter le cataclysme. Et nous sommes sur le point d'obtenir la carte dimensionnelle. J'ai l'impression que les choses tournent enfin en notre faveur. Bien joué, mon Ratchet! Il connaît la fin! Il l'a, ça y est! Ratchet, j'ai... Réussi! Hourra! Maintenant, donnez-moi ça avant que j'expédie la tête de votre ami sur Torrent 4! Rassurez-vous! Vous aurez droit à une retransmission de mes victoires! Dans la prison de Zandu! Il faut qu'on... Va-t'en! Tu veux fuir? C'est notre dernière chance de l'arrêter! Désolée. Et je me suis fourvoyé. Pas prêt d'avoir terminé le jeu. Et ça c'est bon, fondant croquin. Zord, ça faisait un bail. J'espère qu'il n'y a pas de garde dans le coin. Le centre de triage devrait se trouver un peu plus loin. Pourvu que je vous retrouve, les gars. Bon, il y a au moins un vendeur, quelque chose. Bon, quitte pas morte, hein, on s'en doute, évidemment, c'est la sœurette, elle peut pas mourir comme ça, aussi facilement et aussi ridiculement, ça serait n'importe quoi. Je suis plus très loin. Bien sûr qu'elle a survécu. Ça commence à me revenir. Ok.
Travailler ici, il faut un mental d'acier. Ok. Rien du tout là. Bah voilà. Oh, on est où? Pas abusé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Le fléau cosmique, évidemment. Bien sûr, augmente la cadence de tir, réduit le délai de rotation. Et ça, on a quoi? Éliminer les ennemis, réduit la chaleur accumulée dans l'arme. Et ben voilà, augmente la durée d'utilisation. On va pouvoir faire normalement tout le tour. Et on est bon. Quantité maximum de munitions et éliminer les ennemis réduit la chaleur accumulée dans l'arme. Et ça, ça augmente la durée d'utilisation avant que l'arme ne chauffe. Ok. On dirait bien que tu as toutes les cellules et le raritanium nécessaire. Chasseur de tête, on peut peut-être y faire un petit truc, non? Augmente le ralentissement de l'action. Ok. J'espère te revoir. J'avais même pas remarqué que l'action ralentissait, mais pourquoi pas? Que se passe-t-il? J'ai pas compris. Alors là, je suis bouche bée. Je suis même sur le cul. J'ai pas dû tout saisir. Si, j'ai tout saisi, vous croyez? Normalement, bah, pas le droit de rentrer parce que bah, j'ai des armes, je suppose, non? Ok, on se casse, c'est peut-être juste pas par là, en fait. Alors, où ça peut être? J'ai tenté un truc, ça me fait. Voilà, hop, ça passe carrément à travers. Là. Ok. Oh, du raritarium. Alors là, je suis bouche bée. Je comprends pas. Écoutez, là pour le coup, là je dois l'admettre. Est-ce que c'est un bug encore? Je sais pas. Les coups touchent un point faible, inflige des dégâts et augmente le ralentissement. Augmente la quantité de munitions récupérées dans les caisses par deux, c'est bon ça. Là je ne piche pas encore. Faut que je fonce dans ce scanner. Pourvu que ça déclenche pas d'alerte. Le centre de triage. Ah, oh la vache. Qu'ils retiennent Ratchet et Clank prisonniers. Et Kit aussi. Ah ouais, j'ai oublié un des trucs de base. Frère. Il faut que j'accède au centre de triage. Ok. Eh ben écoutez, on va accéder au centre de triage, mais pour le prochain épisode, évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. En attendant, on va désactiver ce petit satellite. Je ne sais pas en tout cas ce que ça fait. Il s'envole. Voilà, c'est un satellite qui s'envole. C'est pour mieux capter. Il va venir vers moi, évidemment. Et direction le centre de triage qui a l'air d'être là-haut. Oh. Les gars, j'en ai rien à péter. Je suis pas là pour empiler des cubes. Et derrière, on a aussi quelque chose à regarder, donc on ira tout checker. Bref, à bientôt tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao!